Les soldes ne sont pas l'alpha et l'oméga du commerce. il faut s'occuper du reste, en effet. Il faut s'occuper du contexte des villes dans lesquelles le commerce se développe. Il faut s'occuper de donner aux entreprises du commerce un environnement réglementaire, fiscal, qui soit propice à l'embauche, au développement, à la croissance. Donc c'est aussi à ça qu'on s'attelle. Les premières réactions des commerçants sont plutôt favorables à ce projet de loi. Les professionnels en attendent un rééquilibrage par rapport au commerce en ligne et bien entendu aux grands centres commerciaux périphériques. En attendant 2019, les soldes d'hiver vont se poursuivre sur une durée de 6 semaines jusqu'au 20 février. Et l'on estime que chaque consommateur français dépensera en moyenne 200 euros pendant cette période.